וישעון דולב ויסיינו וישעון דולב ויסיינו ולונו שלא יחד בלבוד עומד עולנו לך לא יסיינו עומד עולנו לך לא יסיינו וישעון דולב ויסיינו וישעון דולב ויסיינו ולונו שלא יחד בלבוד עומד עולנו לך לא יסיינו עומד עולנו לך לא יסיינו והכל לא ישבור ומדילנו אוי מצילנו Voilà, vous êtes en ligne. Bonsoir, Chag Sameach. Ce cours de Torah et Mishpat. Sivan Ben Moshe, Hélène V. Tzichrono Livracha. Un jeune de 20 ans, et Henri Makhlouf, Jorah Berjalal, Bachalom, on l'appelait Henri, Marlene Mayal Bat Eliaou, et ma belle-sœur, Régine Zvara Bat, Mahjulis, on l'appelait pas, et Yamil Ben Moshe, et Suzanne Sultana Bat, Nina, Zichronam Livracha. Nous sommes à quelques jours avant Pessah. Et bien sûr, cette semaine, c'est les grands travaux. Chérisation des maisons, même pour ceux qui voyagent à l'étranger, qui doivent passer Pessah ailleurs, ils ont l'obligation de nettoyer leur maison, d'annuler le Hametz, de vendre le Hametz. Pas oublier tout cela. Mes amis, pourquoi on fait Pessah ? Pour se souvenir de la sortie de l'Égypte, du miracle que Hachem a fait avec nous en Égypte. Tout d'abord, nous n'avons pas été assimilés. Deuxième chose, Baruch Hachem, on est resté unis. Et Baruch Hachem, on est sorti de l'esclavage. À cette époque, vous imaginez soit être esclave pendant 400 ans, des générations, esclaves en Égypte. Et à Kadosh Baruch Hu, il nous a libérés avec des miracles. Et tout cela pourquoi ? Pour nous donner la Torah, pour être son peuple. On ne peut pas être le peuple d'Hachem sans la Torah. Il y a des exigences. De la Kadosh Baruch. Et Baruch Hashem, on a vu des miracles depuis. Et combien, quand on dit, et combien, pendant 3500 ans depuis la sortie de l'Égypte, les nations qui ont essayé de nous exterminer, et ils n'ont pas réussi, parce qu'Hashem nous protège. La preuve que Dieu existe, c'est l'existence du juif. C'est tout. On a beau dire qu'on est capitaliste, on a beau dire qu'on est ce qu'ils veulent dire, mais l'effet, il est là. On est là, pas parce qu'on est capitaliste, c'est parce qu'Hachem a voulu qu'on soit là. Et pourquoi on est là? C'est parce qu'on fait Torah Mitzvot.
C'est Torah et Mitzvot. C'est ça qui nous maintient aujourd'hui. Mes amis, toute l'année, des dizaines de fois par jour, on parle de la sortie de l'Égypte. On fait Birkat Hamazon, on parle de la sortie de l'Égypte. On fait le vendredi soir le Kiddush, on parle de la sortie de l'Égypte. Pendant les fêtes, on parle de la sortie de l'Égypte. On fait trois fois par jour Shema Israël, on parle de la sortie de l'Égypte. Quand on dit Ani Adonai Elohecha, Elohecha Shetzitrem Esosayim, Emet. On parle de la sortie de l'Égypte. Avant de faire la Amida du matin et du soir, on parle de la sortie de l'Égypte. Ah, mes amis, puisque tout le temps, on parle de la sortie de l'Égypte, parce que notre peuple est devenu un peuple, si on devait avoir un passeport, on devait avoir un passeport déjà égyptien, parce que nos origines, ils sont de l'Égypte. De l'Égypte. C'est là-bas où on est né. C'est là-bas, c'est d'abord les sorties. Et c'est d'abord la reçu la Torah et d'abord on est rentré en Eretz Israël. Alors, ce que je ne comprends pas, des dizaines de fois par jour, on parle de la sortie de l'Égypte. Alors, ce que je n'ai pas compris, pourquoi la veille de Pessah, alors on fait la Haggadah, on lit la Haggadah, la lecture de la Haggadah, de quoi on parle? On parle de tous les miracles que Hachem a fait avec nous à la sortie de l'Égypte. Chaque matin, lorsqu'on fait Azaché Moshe, ah, Azaché Moshe, on parle de la sortie de l'Égypte. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi Hachem, il a voulu que après ça, c'est écrit, il faut raconter la sortie de l'Égypte. Toute la fête de Pessah, la mitzvah de la fête de Pessah, écoutez bien, la mitzvah de la fête de Pessah, c'est de manger les galettes et de parler de la sortie de l'Égypte. C'est les deux mitzvot principales du Seder. Après, les autres choses, c'est autre. Mais le plus important, c'est Bigata Levincha, pour raconter à ses enfants de la sortie de l'Égypte, et la mitzvah de manger les galettes. Après, ne pas manger le hametz, tout ça, c'est les mitzvot qui sont automatiques. C'est ce qu'on appelle un avion. S'il n'y a pas de pilote, l'avion ne peut pas décoller. Donc, toute la fête de Pessah, elle est autour de ces deux mitzvot-là. Elle est autour de ces deux mitzvot. Après, il y a beaucoup de mitzvot. Vous savez, mes amis, c'est comme par exemple un costume. Un costume, il y a des boutons, il y a des poches. Voilà, c'est les accessoires du manteau. Alors, toutes les mitzvot qu'on fait à Pessah, c'est les accessoires de la mitzvah de la galette, pour manger la galette, et raconter l'histoire de Pessah. De l'histoire de la société. Ma question, elle est. Donc, on est l'histoire. On la répète chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Pourquoi Hachem nous a donné une nuit qui s'appelle le Seder, la Haggadah, en parle de la sortie de l'Égypte? Pourquoi? C'est ma question. C'est une question que. Voilà, c'est une question. Mes amis, il faut savoir une chose. Que chaque jour, on parle de la sortie de l'Égypte. Ça, c'est global. C'est-à-dire, on parle des miracles que Hachem il a fait avec nos parents il y a 3500 ans, lorsqu'on a quitté l'Égypte. Mais après ça, c'est une fête de famille. Vous avez compris? Ce n'est pas une fête. Écoutez bien. Chaque jour, on parle de la sortie de l'Égypte. Mais ce n'est pas une fête. Vous avez compris? Ce n'est pas une fête. C'est comme par exemple si je vous dis, j'ai 73 ans, chaque jour je répète, j'ai 73 ans, 73 ans, le jour de mon anniversaire, je vais dire, ben, aujourd'hui j'ai 74 ans. Ah, j'ai dépassé les 73 ans. Ah, alors on fait une fête. La fête de Pessah, c'est la fête de la famille. Vous avez compris? C'est la réunion. Et on parle de la fête de Pessah. C'est la fête, ce n'est pas une fête de mémoire, mais c'est la fête de la journée. Ça veut dire, c'est l'anniversaire. Ça veut dire, la veille de Pessah, on parle de notre sortie personnelle.
personnel. C'est pour ça qu'on dit dans la Gada, Hayab Adam le chaque juif, il a l'obligation, écoutez bien ce que je vous dis, il a l'obligation d'imaginer, de penser comme si c'est lui qui est sorti de l'Égypte. Pendant toute l'année, on ne le fait pas. Toute l'année, on se rappelle du passé. Mais ce soir, on se rappelle du présent. Ce soir, on se rappelle, Hayab, chaque juif, le soir de Pessah, il doit dire, j'ai quitté. Il faut qu'il se donne une idée comme c'est lui qui est sorti. C'est-à-dire que chaque année, la veille de Pessah, à quoi on pense? On pense que j'ai quitté l'Égypte, je suis sorti de l'Égypte comme ce soir. Et comme si moi, si j'étais parmi eux et j'ai quitté l'Égypte. Vous avez toute l'année, on parle de la sortie de l'Égypte. Mais pas plus, on n'a pas cette réaction de dire, eh bien, oui, moi aussi j'ai quitté l'Égypte. Non, et qu'on se souvient. Mais la veille de Pessah, c'est pas on se souvient. La veille de Pessah, on va dire, on va s'imaginer comme si c'est nous qu'on est sortis de l'Égypte. Sur ce, mes amis, je vous raconte une histoire spectaculaire. Une histoire que j'ai écoutée hier. Vous savez que la sortie de l'Égypte, c'est pas un qui a 3500 ans. La sortie de l'Égypte, chaque année, qu'on fête Pessah, écoutez bien, combien on doit dire merci à Kosovo que nous sommes, qu'on existe encore. Notre existence dépend de la fête de Pessah. À tel point que nos sages disent, à Pessah on a été libéré et à Pessah on va être libéré. Vous savez, mes amis, que le sacrifice de Pessah, ça c'est bien de le savoir. On faisait un sacrifice à Pessah. Chaque année, lorsqu'on avait le Bétamigdash, on faisait un sacrifice qu'on appelle Korban Pessah. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de Bétamigdash. Aujourd'hui, on ne fait, il n'y a pas. Parce que les sacrifices, on le faisait uniquement lorsqu'il y avait le Bétamigdash. Maintenant qu'il n'y a pas de Bétamigdash, donc il n'y a pas de sacrifice de Pessah. Alors pourquoi on appelle la fête de Pessah Pessah? Il n'y a pas de sacrifice. On devait appeler la fête de Matzot, la fête de la Matzah. Parce qu'est-ce qu'on mange? On mange la Matzah. On ne mange pas le sacrifice de Pessah. Parce qu'il n'y a pas de Bétamigdash. Mais mes amis, étant donné que nous avons dit tout à l'heure que Mashiach, qu'on a été libéré à Pessah, alors on va être libéré aussi aux alentours de Pessah. Et puisqu'on va être libéré aux alentours de Pessah, il se peut que ce soir on va être libéré. Ce soir, Mashiach peut venir. Alors, si ce soir, Mashiach va venir, alors lundi soir, vous savez ce que ça va faire? On va manger le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Le sacrifice de Pessah, on va le manger, Mashiach va venir. Donc, c'est pour ça que cette fête-là s'appelle la fête de Pessah, la fête du sacrifice. Mais on a posé une question. Mais la fête du sacrifice, il n'y a pas de sacrifice aujourd'hui. Il n'y a pas de Bétamigdash. Il peut venir pendant la période de Pessah. Et s'il va venir pendant la période de Pessah, on va faire le sacrifice de Pessah. Alors, cette fête s'appelle Pessah. Mes amis, je vais vous raconter une histoire qui est spectaculaire, que j'ai écoutée hier. Et je vois, c'est quoi l'Aïmouna? Il faut savoir que toute notre histoire à nous, c'est l'Aïmouna, la foi. Alors, il y a quelqu'un qui travaille, il change les pneus, il habite à Anana. Hier, sa femme, elle est. Eh bien, moi, il m'a dit, Abidev, je sais que vous aimez les histoires. Alors, je vous raconte une histoire. Mon mari, il change les pneus, il travaille avec les pneus, ici en Israël. Puis, il y a un monsieur qui vient avec sa Jeep. Il a commencé à échanger. Les quatre pneus, ils étaient catastrophes. C'était Sarah, il devait les changer. Il a commencé à enlever trois, il a changé trois, mais dans le quatrième, il n'arrivait pas à l'ouvrir. Les boulons, ils n'arrivent pas. Alors, propriétaire de la voiture, c'est un peu énervé. Écoute, il y a 45 minutes que je suis là. Alors, propriétaire, il ne savait pas quoi faire. Et il y a des clients, il y a des voitures qui attendent. C'est Pessah. On dirait qu'à Pessah, tout le monde change les pneus. Alors, c'est pas grave. Alors, maintenant, le pauvre, il ne savait pas quoi faire. Il était gêné. Il a changé les trois pneus. Le quatrième, il n'arrive pas. Il a essayé toutes les méthodes, tous les ustensiles qu'il avait, il n'a pas réussi. Il a dit, Rabbi Hippito, où tu es? On dirait que Rabbi Hippito, c'est un mécanicien. On dirait que Rabbi Hippito,
C'est le graisseur, il va venir les dégraisser les boulons. Maïmouna. Et au même moment, il fait comme ça, c'est plutôt, tu vois, on dirait qu'il est à côté. Tout de suite, les quatre boulons, tout de suite, avec ses mains. Comment tu comprends ça, Maïmouna? C'est pour ça qu'on dit, merci Hachem pour les miracles que tu fais avec nous chaque jour. On a tous vécu le miracle du samedi soir. Ici en Israël, on a vécu le samedi soir, le miracle. On nous a dit, il va y avoir des sirènes, on nous a dit, il va y avoir ça, on nous a fait peur, il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Et là, ça dure toute la nuit. À un moment donné, j'ai dit, bon, ça y est. On a prié, on a fait Tehillim. On dirait que il y a un de nos élèves m'a dit une phrase, une belle phrase. Il m'a dit, Rabbi David, à Pessah. C'est quoi le miracle de Pessah? Pessah, si Dieu veut, Pessah, sauter. Hachem, il a sauté les maisons juives et il n'a pas tué les premiers-nés juifs, mais il n'a pas sauté les maisons égyptiennes. L'homme égyptien, il y a eu la balle. S'il y avait là-bas un premier-né, il est mort. Alors, il raconte, il a dit, on a vu les missiles passer, on dirait qu'ils sautaient les maisons. Ils sautaient, on dirait on a vu Pessah. C'est quoi Pessah? Pessah, c'est passe, en anglais on dit passover. Il passe et va de l'autre côté. Et voilà, c'est les missiles qu'ils ont passés. Maman, ils ont traversé tout Israël et ils devaient tomber en Israël. Ils ont, bon, avec les déchets, on verra encore des miracles comme ça. Et Ali Serra, chez Bokolion, on dit dans la prière, merci Hachem pour les miracles que tu fais avec nous chaque jour, chaque jour. Il y a des miracles qu'on voit, il y a des miracles qu'on ne voit pas. On dit que lorsque Mashiach va venir, si Dieu veut, écoutez bien ce que je vous dis. On va faire que des sacrifices de remerciement. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de miracles qui nous arrivent, mais on ne voit pas. Ils sont cachés. On ne les voit pas. Jamais j'oublierai. Une fois, au Mexique et je devais prendre un avion Mexique-Washington, Washington-Paris. Et on prend l'avion du Mexique à Washington. Et à Washington, on a eu des retards de presque 8 heures de retard. C'était quoi la raison? C'est parce que l'avion, il avait un grand problème. Ils n'avaient pas d'autre avion et il fallait réparer tout l'avion. Alors, j'ai posé une question. J'ai dit, mais attends, mais avec cet avion, on a atterri. Comment on a atterri? On est venu du Mexique avec cet avion. Et maintenant, au moment où on est resté une heure à l'aéroport, au moment du décollage, soudainement, il y a eu ce problème-là. C'est quoi ça? Vous savez, il y avait là-bas une hôtesse. Il a dit, eh ben, on a échappé belle. Comme ça, il a dit, on a échappé belle. On ne comprend même pas comment l'avion il a décollé, comment il a atterri. Ça veut dire que pendant 4 heures, on était dans l'avion de Mexique à Washington, on était dans un avion à problème. Et grâce à Dieu, le miracle, le miracle. Ça, c'est des miracles qu'on voit, mais nous les passagers, on ne savait pas de ce miracle-là. Personne n'était au courant. On ne nous a pas mis au courant. Une fois, je devais aller une fois à North Carolina, aux États-Unis. Écoutez bien, l'avion, il devait atterrir. Il devait atterrir. Et voilà, on était à presque à. J'adore, moi, l'atterrissage. J'aime bien voir comment l'avion atterrit. Bien sûr, c'est un peu dangereux. Et avec les HM. Et voilà, on était à 50 mètres avant qu'il descende, 50 mètres du sol, et soudainement on voit l'avion, et remonte. Tout le monde n'a rien, personne n'a rien compris. Le pilote, soudainement, il nous dit, bon, on a eu de la chance. Presque, on a atterri sur un autre avion. Presque, on a atterri sur un autre avion. Beaucoup des fois, il y a des erreurs dans les aéroports. Pourquoi? Des erreurs humaines. Voilà, encore un miracle. Encore un miracle. Mes amis, lorsque Mashiach va venir, on va découvrir
des milliards de miracles qu'on a eus pendant notre vie. Et nous, on n'était pas au courant de tout ça. Et on va dire merci à Kadosh Baruch Hu. Alors, on va découvrir, découvrir, découvrir. On va dire merci, 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 merci à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on dit dans la prière, des centaines de milliers de millions de miracles on vit chaque jour. Vous savez qu'est-ce que Chachamim disent? Nishmat kol hay. C'est quoi Nishmat kol hay? Combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu pour chaque seconde qu'on respire. On respire, on respire. Et le cœur qui bat, et le cerveau qui fonctionne. Combien, mes amis. Beaucoup de fois, j'ai fait des examens du cœur, et tu vois, et tu entends comment le cœur y bat. Pam, 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 pam. Il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas. Toute une vie que tu vis, si tu vis 120 ans, 120 ans, il ne va pas s'arrêter. Il ne va pas s'arrêter, parce que s'il s'arrête, c'est la fin. Et chaque seconde, c'est des miracles. Donc, mes amis, chaque seconde, c'est des miracles qu'on vit. Mes amis, la fête de Pessah, la veillée de Pessah, lorsqu'on s'assoit tous à table, vous voyez cette belle table, la première réaction que vous avez, waouh, pendant un mois, j'ai travaillé, j'ai fait les achats, cachérisé, pas tout ça pour cette table. Ben oui, cette table-là, cette table de Pessah, elle signifie tout le judaïsme. Il signifie, il nous rappelle cette table de Pessah, c'est l'enseignement et c'est toute l'information du juif, elle est sur cette table de Pessah. Dans cette table de Pessah, on va raconter une histoire. Bigata, on va raconter une histoire. Peut-être il va y avoir un de nos enfants qui va dire, mais papa, quelle preuve tu as ce que tu es en train de me raconter? Qu'est-ce que je vais lui dire? Mon fils, tu écoutes, après tu verras les preuves. Maintenant, tu écoutes, c'est tout. C'est comme ça que notre papa nous a éduqués. Vous savez, jamais, je me rappelle, jamais j'oublierai qu'à Pessah, lorsque on arrive à un passage à Pessah, lorsqu'on dit Chefor, Hamatra El Agoyim, il y a un passage dans, après Birkat Hamazon, après. On se lève, on ouvre les portes, on dit Baruch HaBa Eliyahu. Voilà. On a l'émouna que, même que Eliyahu HaNavi n'est pas venu la veille de Pessah, on a l'émouna qui va venir. Alors, et qui va nous annoncer la venue de Mashiach? C'est Eliyahu HaNavi. Alors, on ouvre la porte et on dit Baruch HaBa Eliyahu. Et je me rappelle, beaucoup de fois, lorsqu'on était petit, on posait à papa, à notre papa, à la Vachalam, des questions. Papa, est-ce que tu as vu Eliyahu? Parce que lui se lève, on se lève tous derrière lui, moi, Rabbi Haïm, tout le monde, on se lève derrière lui, et on va jusqu'à la porte, et on regarde derrière, qu'est-ce qu'il y a lié en avis, et mon père, Baruch HaBa Eliyahu, Baruch HaBa Eliyahu, et on pose à papa, est-ce que tu as vu Eliyahu, il est là, nous on ne le voit pas. Il nous dit, avec toute simplicité, un jour vous allez grandir, vous allez le voir. Voilà, c'est tout. On n'a pas posé de questions. Et maintenant, j'ai 73 ans et demi. Est-ce que lorsque j'ouvre la porte à la baie de Pessah et je dis chez fort, comme mon pays faisait, est-ce que je vois Eliaou? Non, j'ai dit, si Dieu, je veux le voir. Ça, maintenant, c'est pas que je suis habitué. Je sais que je vais le voir. C'est tout. C'est tout. La baie de Pessah, c'est l'année de la naissance de notre identité. C'est tout. C'est-à-dire que la veille de Pessah, je me considère moi-même que Pessah, que ce soir, c'est la sortie de l'Égypte, et ce soir, je suis en train de sortir de l'Égypte. Toute l'année, on parle de ce qui s'est passé il y a 3500 ans, de la sortie de l'Égypte de nos parents. Mais ce soir, je parle de ma sortie de l'Égypte à moi. Vous avez compris? Je parle de moi. Hayav Adam le'ahot et atzmo ki lo yatzal Mitzrayim. Je ne parle pas de mes parents. Je ne parle pas de mes aïeuls, je ne parle pas de mes grands-parents, je parle de moi, de ma sortie de l'Égypte personnelle. Si, Baruch HaShem, je suis là ce soir, la veille de Pessah, attablé avec mes enfants, avec ma femme, avec mes petits-enfants, avec toute ma famille,
C'est la plus belle chose des choses. Vous imaginez, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? On se considère que nous-mêmes, on est sortis de l'Égypte. Vous savez, je raconte une belle histoire, mais c'est dur pour vous de croire ces histoires, mais vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de croire parce que toute notre émouna, elle est basée sur la émouna. Toute notre émouna, je répète la phrase, toute notre émouna, elle est basée sur la émouna. Toute notre foi, elle est basée sur la foi. Je reçois une lettre cette semaine. Elle a une lettre. Et cette femme-là qui me raconte, j'ai reçu deux lettres qui m'ont beaucoup, beaucoup ouvert. Non, celle-là que je racontais, c'est il y a quelques temps, il y a quelques semaines, et il y a quelques semaines, et il y a une autre cette semaine. Alors, il y a quelques semaines, c'est une femme qui me raconte. Ça lui a pris du temps pour m'écrire cette lettre-là. Elle me raconte qu'elle habite à New York, elle cherche une maison, et à la fin, pour Hachem, elle a trouvé la maison. Elle a trouvé la maison qu'elle veut à côté de l'école. Et le prix était bien, elle voulait l'acheter, elle s'est arrangée avec le propriétaire. Elle était la femme la plus heureuse du monde. Elle était tellement heureuse et contente. Pour elle, ça y est, ils vont habiter là-bas, si Dieu veut, pour Rosh Hashanah. Pour la fête de Rosh Hashanah, ils vont s'installer là-bas. C'était la maison du rêve. Et voilà, Rabotai, mes amis, avant de prendre l'avion pour aller en vacances, mois d'août, elle reçoit un coup de téléphone du propriétaire de cette maison. Elle dit: Madame, je suis désolée, je ne peux pas vous la vendre. Et cette femme-là était venue chez moi. Elle a reçu la bracha. Et ça fait un laps de temps qu'elle cherche une maison là où elle voulait, à côté de l'école, à côté de la synagogue, à côté du kasher, et un mikvé, il y a tout. Parce qu'on ne peut pas demander plus que ça. Pour elle, son rêve, il a été, ça y est. Et voilà, on dirait que le monde entier, il s'est effondré devant elle. Elle a commencé à pleurer. Son père, son mari lui dit, il y avait son père aussi, il dit: Bon, caparaz, elle était malheureuse, ça veut dire, chaque matin, ça veut me prendre 1 heure et demie pour les enfants à l'école, 1 heure et demie le matin, 1 heure et demie le soir. Et, la pauvre, elle était de tous ses états. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Elle allume les vaisseaux, c'est tout. Est-ce qu'elle peut imputer une fille au mobilier ou quoi? Elle ne fait pas le mobilier. Elle, ça y est, il faut que tu fasses tout, il faut que cette maison, même s'il faut que j'ajoute un peu d'argent, je veux que cette maison. Et comme ça, elle m'a écrit une longue lettre, elle parlait de cette maison. Elle continue. Le 5 Elul, c'est l'année de mon père. Elle reçoit un coup de téléphone du propriétaire. Elle dit: Madame, vous êtes toujours acheté? Je sais quoi. Mais vous avez dit, vous avez annulé. J'ai annulé, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est le monsieur qui devait lâcher. Il a que des problèmes, problème sur problème. Tout est bloqué. Est-ce que tu veux l'acheter? Bien sûr, elle était heureuse, elle était contente, tout de suite elle a dit oui. Ils sont tout de suite retournés à New York, ils ont signé, ils l'ont acheté. Le 5, la bonne nouvelle est tombée le 5 kilos, un message de Rabbi Hempito. Voilà, je t'ai pas allé, quand tu as voulu rentrer pour Rosh Hashanah dans cette maison, voilà, elle a acheté, elle est rentrée là-bas pour Rosh Hashanah. Maintenant, il faut que je vous dise une chose. Il y a beaucoup de gens qui sont soucieux. Et si je ne travaille pas Shabbat, avec quoi je vais vivre? Et si je ne travaille pas pendant les fêtes, avec quoi je vais vivre? Et cette fête de Pessah est en mon milieu de la semaine? Et la Parnassa? Et ça? Et ça? Écoutez bien. Ce que Hachem a prévu pour vous, personne ne peut vous le prendre. Et même si quelqu'un l'a pris, il va vous le rendre. C'est tout. Il y a une femme qui a perdu sa montre. Elle était dans tous ses états. Une montre qui coûte très très cher. Elle coûte presque 100 000 dollars. Elle a des diamants tout. Et la pauvre, bien sûr, elle n'est pas la pauvre, elle est riche, c'est l'Indienne. C'est une montre de 200 000 dollars, elle n'est pas pauvre. Mais pour vous dire, elle a dit à Hachem, je veux
retrouver cette plante-là, je vais la vendre et l'argent, je les donne à la tzedaka. Elle m'appelle. Elle me dit, Rabbi David, voilà, je la trouve, je vous la donne. Je dis, madame, non, déjà, vous n'allez pas la trouver. Parce que celui qui la trouve, elle ne va pas vous la rendre. Alors, et en plus, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas promettre des promesses pour il se peut que vous ayez changé d'avis. Non, non, Rabbi David, je vous la donne, je vous promets. J'ai envie de la trouver. Eh bien, elle l'a trouvée. Voilà, Kavot. Elle a voulu me la donner, je n'ai pas voulu l'accepter. Elle l'a eu. J'ai dit, une femme, qu'elle a cette émouna, qu'elle est capable de donner sa montre à la tzedaka, je sais pas, je me prends là, Hachem, il a accepté ta prière. C'est que tu es bien devant Hachem, malgré tout, cette femme-là, elle est en train de vendre cette montre-là, je sais pas si elle l'a vendue ou pas, je lui dis, alors distribue l'argent à la tzedaka. Et la émouna, la source de la émouna, elle commence à baisser. Vous avez compris? Parce qu'à la veille de Pessah, lorsque vous allez tous être attablés autour de la table de Pessah, et vous allez raconter des histoires qui se sont passées il y a 3500 ans, les portes du ciel y sont ouvertes. Tu sais qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai dit comme ça. Il dit que la veille de Pessah, de la même façon que ici en bas on est content, là aussi ils sont contents. Là aussi, ils sont contents. Et tellement que là-haut, ils sont contents, parce que Hachem, il dit aux anges, les malachim, descendez en bas, allez-y voir qu'est-ce qu'ils font, mes enfants. Allez-y voir qu'est-ce qu'ils font. Et les malachim, ils viennent dans ce monde-là, ils rentrent chez vous. Tous ceux qui m'écoutent ce soir, ils vont rentrer chez vous. Ils regardent comment vous êtes attablés et vous parlez des miracles qui se sont passés il y a 3500 ans. Et à la fin, qu'est-ce que vous dites? Vous dites à la fin que chacun, il se lève, il dit, eh ben, merci à Hachem de m'avoir délivré de l'Égypte. Et chacun, il dit, merci à Hachem que, mais attends, mais toi, tu n'étais pas en Égypte il y a 3500 ans. Mais c'est ça l'Emouna, c'est que tellement qu'on a l'Emouna en Hachem pour la libération de la sortie et la sortie de l'Égypte, jusqu'à que chacun dit, moi aussi, je ne suis parmi ceux qui sont sortis. Moi aussi, je ne suis parmi ceux qui sont sortis. Alors, le Malachim, il vient et retourne chez Hachem. Ils disent tout ça à Kadosh Baroukh. Et là, Kadosh Baroukh est tellement content. Il dit, regardez mes enfants, ils n'ont rien vu. Ils ne se rappellent pas, ils se rappellent pas qu'ils étaient en Égypte. Ils se considèrent comme s'ils sont sortis de l'Égypte. Et Hachem, il dit au Malachim, aux anges, regardez comment mes enfants, ils ont la Emouna en moi. Alors, à Pessah, Akash Baroukou, il signe un décret de libération pour toi, Am Israël, d'une protection pour toi, Am Israël, à la veille de Pessah. Ça veut dire que la veille de Pessah, c'est la nuit où les portes du ciel ils sont ouvertes. Et Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, tout le monde est debout, tout le monde est là. Tous les tzadikim, tous les neshamot tzadikim, ils sont là. Et l'ordre est donné de faire des miracles à chacun de vous. L'ordre, il est donné de faire des miracles. Vous savez que la veille de Pessah, mon frère Shalita, mon frère, mon grand frère, il est né la veille de Pessah. Comme ce lundi soir, il est né. Et mon père, il a fait de ça une histoire. Mon père, Avachalou, il a fait de ça une histoire. Et c'est quoi l'histoire de mon père? Il a dit que la veille de Pessah, c'est là où ils sont tous des bonnes guézérotes qui sont signés. Comme ça, il a dit. Il a dit, et celui qui va naître, la veille de Pessah, c'est des grandes neshamot. Comme ça, il disait, je me rappelle, jamais j'oublierai ces mots saints qui disaient. Moi, grâce à Dieu, j'ai eu un grand miracle à Shabbat HaGadol. Avant Pessah, je me rappelle, j'étais jeune, je courais derrière les chats. Et j'étais jeune, je faisais la collection des chats. J'avais une grande chambre à la maison de Rabbi Pinto et ouais, j'étais un amateur des chats. J'avais de toutes les couleurs. Et les petits chats, les grands chats, les moyens, toutes les races, je les avais. Mon père, la chaleur, il ne savait même pas ce qui se passait là-haut. Et j'ai eu un grand miracle. C'est que j'ai vu un chat la veille de Shabbat. C'était la veille de Shabbat à Gadol, comme ce samedi-là.
ce Shabbat-là, qui s'appelle Shabbat Agadol. Et j'ai couru derrière ce chat, il est monté les escaliers, je suis monté derrière lui, et hop, on arrive dans une terrasse. J'ai fermé la porte de la terrasse, je cours derrière le chat. Mais il y avait là-bas un trou, par où la lumière était rentrée, à la synagogue du tzaddik Rabbi David Blazen, il y avait là-bas une verrière. Alors, il faut faire attention de ne pas marcher sur ce verre-là. Tu marches, tu tombes dans la synagogue. Souvent, j'allais là-bas, mais je faisais attention. Mais là, j'étais concentré dans le chat. Je courais dans le chat. Bon, je suis tombé. Et grâce à Dieu, j'ai eu la vie sauve. Je suis attrapé, accroché. Je ne sais pas combien de temps. Je ne peux pas vous dire. Je ne me rappelle pas. J'avais 6 ans, 7 ans. Je ne me rappelle pas. Je ne peux pas vous dire. Et grâce à Dieu, il y a eu des femmes qui sont venues à la synagogue pour allumer les veilleuses. Ils ont vu le corps, mon corps. Vite, ils sont montés. Et bon, Hachem, ils m'ont sauvé. Aïe, 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 je ne peux même pas penser une minute. Qu'est-ce qui aurait pu m'arriver? Aïe, aïe, aïe. Et bon, Hachem, je suis vivant. Oh, Hachem, je suis vivant. Mon père, Alav HaShalom, ce moment-là, il était en train d'étudier la Torah. C'était à peu près 1 heure avant le Shabbat. Alors j'arrive à la maison, on m'a apporté à la maison. Mon père, il pleurait, il était heureux de me voir. Il dit, mon fils, sache, celui qui t'a sauvé, c'est grâce à la Torah que j'étudie. C'est grâce à la sortie de l'Égypte, c'est Shabbat Agadol, c'est le Shabbat des miracles. C'est grâce à ça, c'est ça qui t'a sauvé. C'est pas Rabbi Hanpinto qui t'a sauvé. C'est pas le mérite du Tzadik Rabbi Hanpinto. C'est la Torah, c'est le Pessah. À Pessah, tous les décrets, les bons décrets, ils sont signés à Pessah. Et tous les mauvais décrets, ils sont annulés à Pessah. Mes amis, n'oubliez pas que le miracle de Esther, c'est à Pessah que ça s'est annulé. Lorsque Haman, il a voulu tuer tous les Juifs. Quand Esther, il a demandé au roi Achshveiros d'annuler la Gezeira. Pendant les 3 jours de Pessah, les Juifs, ils ont jeûné. C'est à Pessah que ça a été annulé, la Gezeira de Haman. À Pessah. Et beaucoup de gens, ils sont pas au courant de ça. Donc Pessah, c'est mes amis, c'est le miracle personnel, c'est le début du miracle personnel pour toute l'année. Et comment ça s'appelle ça? Pour ça, mes amis, on dit, chacun, il doit avoir cette sensation qu'il a été libéré de l'Égypte. Bah, on va pas parler de nos parents. Ça, chaque jour, on rappelle la sortie de l'Égypte de nos parents. Mais après ça, c'est notre sortie personnelle de l'Égypte. Chacun, il doit dire, si mes parents n'ont pas été libérés, moi, j'aurais pas été libéré. Ça veut dire que maintenant, si je suis libéré, c'est comme ce soir, comme c'est moi qui ai été libéré. Lorsqu'on a cette émouna, qu'on a été libéré, que chacun de nous a été libéré comme ce soir, et chacun il se prend exemple qu'il a été libéré ce soir à la sortie de l'Égypte, alors qu'à chaque il efface tous les décrets qui vont arriver. Mes amis, je voudrais simplement terminer avec une phrase. J'étais à Natania, je recevais les gens. C'est une histoire que, belle histoire que je vais vous raconter. Je reçois un rabbin. Un rabbin. Il a à peu près 25-26 ans. Il étudie au collège. Il vient, il me regarde. Il me dit, ça fait longtemps que j'attendais vous voir. Et vous connaissez, je connais uniquement par des photos, mais je ne vous connais pas. Il dit alors, maman, elle parle de vous tout le temps, comme ça, il me répète. Je le regarde, il me dit, je peux vous dire quelque chose? Je ne dis pas. Il me dit, une fois que vous avez fait un cours à Paris, un grand cours, et les jeunes passaient devant vous pour recevoir une bracha, il y avait un groupe des filles. Dans ce groupe de filles, il y avait ma mère. Mais ma mère,
elle a pas voulu vous approcher parce qu'elle portait un pantalon. Et elle n'avait pas d'autre moyen que de passer à côté, mais elle s'est un peu écartée, elle s'est cachée derrière d'autres femmes pour ne pas vous approcher parce qu'elle avait honte, était en pantalon. Il ne savait pas qu'il fallait venir au... Il ne savait pas. Et vous, Rabbi David, vous l'avez vu. Vous l'avez appelé. Vous avez pointé sur elle. Et vous l'avez. Ma mère, elle avait honte de venir. Et vous avez compris pourquoi elle avait honte de venir. Vous avez dit à quelqu'un, donnez-lui votre manteau et qu'elle approche. Elle approchait et vous lui avez dit un bon mazel et vous l'avez béni qu'elle soit toujours dans la Torah. Ma mère, ça l'a travaillé ce que vous lui avez dit. Elle raconte à tout le monde comment Rabbi David, au lieu qu'il me rejette, il me rapproche, il m'amène vers lui, il me fait une bonne beracha. Et tout le temps, elle raconte cette histoire à tout le monde. Finalement, à force de raconter cette histoire à tout le monde, elle a fini par devenir religieuse. Elle s'est mariée avec un rabbin, un avraire, et je suis le seul garçon du fruit de ma mère. Donc, si je suis ce que je suis, ben, par rapport la façon comment vous avez rapproché maman vers Dieu. Mes amis, pour moi, c'est ça le miracle. Le miracle, le plus grand miracle des miracles, ce n'est pas des choses miracles, magiques, waouh, des choses au-delà du temps. Le plus grand miracle, c'est la Emouna, de vivre ta Emouna et de retourner vers Hachem. Pas des phrases, c'est ça le miracle. Mes amis, à Pessah, c'est la porte. La porte de la Emouna, c'est à Pessah. Parce que à Pessah, on dit, chacun de vous y dit, eh ben, chacun doit se considérer comme s'il a quitté l'Égypte. C'est-à-dire que moi, David Pille, lundi soir, je vais lui dire, eh ben, Hachem, merci de m'avoir libéré de l'Égypte. Attends, c'est une histoire qui s'est passée il y a 3500 ans. Oui, mais lundi soir, je ne veux pas parler d'il y a 3500 ans. Je veux parler de maintenant, 2024. Merci Hachem de m'avoir libéré de l'Égypte. Merci. Ah, je suis sorti de l'Égypte. Pourquoi? Parce que si tu es attablé à la table de Pessah et tu parles de Pessah et tu parles des miracles, ça veut dire que tu es conscient, ça veut dire que tu as la Emouna. Et puisque tu as cette Emouna, alors que ce soit au haut, il te rend la monnaie. Tout ce que tu demandes, il te donne. Mes amis, qu'on voit les miracles, si Dieu veut. On a besoin de miracles. On a besoin. On a beaucoup besoin. On a besoin de la paix. On a besoin des bonnes choses. On a besoin de la stabilité. On a besoin qu'on passe une fête de Pessah sans problème, si Dieu veut. Que Hachem vous protège dans la santé, la joie, la prospérité. Alors, si Dieu veut, n'oubliez pas que on va reprendre des cours le mercredi soir, le 1er mai. Si Dieu veut, parce que là, c'est la fête de Pessah. Donc, si Dieu veut, je serai après la fête de Pessah. Hachem vous protège. Amen. Amen. Hak Sameach, Kasher Sameach. N'oubliez pas de vendre le Hametz. N'oubliez pas de cacher les à la maison. N'oubliez pas de vendre le whisky. Ramassez tout le Hametz, mettez-le à côté et vendez-le. Et si Dieu veut, que Dieu fasse que Shanaba, Yerushalayim, Amen. והיא שעומד
d'olave ou inseino. Vem encher o mundo, lá boi sei no vilono. Shelo yechot bilvod, omad oleinu lecha loiseinu. Omad oleinu lecha loiseinu. Vehi sheom dola boiseinu. Vehi sheom